Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Merci pour tous ceux qui ont fait des commentaires intelligents, des commentaires d'encouragement à la vidéo, la dernière vidéo, voilà, avec l'entrepreneur, Monsieur Yeo. Merci pour tous ceux qui ont fait les encouragements. Il vous remercie aussi. Voilà, et en tout cas, il dit qu'il continuera de se former pour atteindre ses objectifs. Voilà. Et donc, c'est pour dire que tout le monde peut se former pour apprendre et être indépendant. Voilà. Ce matin, nous allons parler de Shiba. Ce matin, nous allons parler de Shiba. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, pour les différents t-shirts, tous ceux qui veulent peuvent commander. En tout cas, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Burkina, où on a des attaches aussi. Bon, les autres pays, pour le moment, je n'ai pas encore de contact qui me permet d'envoyer des choses. Parce que au Burkina, c'est facile d'envoyer, voilà, par le train, par les cars. On peut envoyer des t-shirts, voilà, à Abidjan, à toute la Côte d'Ivoire. Bon, là, c'est open source, quoi. Voilà, vous pouvez commander, voilà, vos différents t-shirts de Shiba, de Baby Doge. Voilà. Ok, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous, partagez massivement sans retenir les vidéos. Voilà, afin d'informer vraiment la majorité des gens que vous voulez vraiment aider. Voilà. Donc, ce matin, nous allons parler de Shiba, comme je l'ai dit, mais parler spécialement du métavers. Voilà, donc plusieurs informations, plusieurs détails ont été expliqués. Dans le métavers, plusieurs détails ont été expliqués. Et donc, à chacun maintenant de vraiment se préparer maintenant pour acquérir les différents terrains. Déjà, en termes de terrain, j'avais déjà donné certaines informations, mais maintenant, il y a plus d'informations détaillées qui ont été données sur le site officiel de Shiba, le blog officiel de Shiba. Là se trouvent toutes les informations. C'est vraiment long. Comme message, c'est vraiment vraiment long. Satoshi Kusama a pris tout son temps pour écrire détail par détail. Donc, je sais que ceux qui n'aiment pas lire, ou donc quand ils vont voir même déjà, et puis en plus en anglais, quand ils vont voir, ils doivent prendre tout ça pour aller traduire page par page pour comprendre la quintessence du message. Ils seront déjà découragés, mais c'est là même que nous, ça nous encourage. Plus c'est long, plus il y a des détails. Plus il y a des subtilités que nous on détecte que les autres ne voient pas. Donc, nous on est content quand c'est comme ça. Et donc, en tout cas, on a résumé tout ça et pour vous donner quand même la possibilité de comprendre tout ce qui est en train de se mettre en place, qui est très grandiose. Ça démontre vraiment du professionnalisme des gens qui sont derrière le Shiba. Ça démontre aussi de ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire quelque chose d'assez spécial. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans ces détails que je vais relever ici. D'accord, donc on a au total 100 595 parcelles de terrain dans le métavers qui seront lancées. Et ensuite, on aura des routes, des couloirs, des avenues, des boulevards. Tout ça seront dans le métavers. Il a même été demandé aussi pour ceux qui veulent donner des noms à ces boulevards, à ces quartiers, comment on appelle ces routes. Vous pouvez aller sur, comment on appelle, le blog pour écrire là-bas, ou bien aller sur le médium, voilà, de Shitoshi Kusama, et puis faire vos différentes propositions là-bas, en fait. Voilà. Mais toutes les propositions qui vont être faites en son temps, les propositions qui avaient été demandées, il a été demandé que toutes les propositions soient faites en rapport avec le Shiba. Par exemple, je ne sais pas quel nom, par exemple, vous pouvez prendre des quartiers, de boulevards. On peut dire, par exemple, si c'est un coin de marché, on peut dire Shib Market, par exemple. On peut dire, je ne sais pas moi, Shib, et puis on mettait quelque chose derrière, Shib Place, ou bien, je ne sais pas, Shib, comment on appelle, Route. Bon, je ne sais pas. En tout cas, chacun doit pouvoir donner un nom. Et puis les noms qui ont été vraiment pertinents selon eux, ils vont retenir ces noms-là. Et ils vont déterminer ces quartiers-là avec ces différents noms.
voilà ce qui a été dit, les avenues, avenues, comment on appelle, Shiba, avenue, quelque chose là-bas. Voilà, donc à chacun d'imaginer. Voilà, vous pouvez même mettre dans les commentaires de la vidéo vos différentes propositions que vous voulez, par exemple, faire là-bas. Voilà, on va aussi en parler entre nous ici. Bon, voilà, moi en tout cas, j'aurais voulu que ça soit ça. Et puis bon, voilà, quand vous aurez aussi vos différents parcelles aussi, vous pouvez changer les noms là, pour mettre vos différents noms, pas sur les quartiers, je dis les parcelles que vous allez acquérir, comme de la manière vous avez payé les Shiboshi, les gens qui ont payé les Shiboshi, le nom d'identifiant qui a été dessus, en voulant l'enlever, vous allez brûler du Shiba. Alors du coup, vous allez pouvoir mettre le nom que vous voulez sur le Shiboshi NFT que vous avez payé. Donc pour les différents parcelles que vous acquérez, ce serait la même chose aussi. Voilà. Dans les parcelles aussi, vous savez déjà que les détenteurs de Lich et de Shiboshi sont les privilégiés. Alors ici, on a 36 431 parcelles qui seront, déverrouillées. Ils seront déverrouillés. Et puis le reste aussi, il y a une partie qui sera déposée. On va vous donner les détails au fur et à mesure. On dit 36 431 terrains seront déverrouillés. 4 districts, on aura 4 districts. Le premier district s'appelle Grau District, Défense District. Le deuxième, le troisième s'appelle Technologie District. Ok? Et le quatrième s'appelle Currency District. Ok? Voilà. Donc, chaque district aura un rôle spécifique. Voilà. Que quand on parle de Currency District, ça veut dire que tout ce qui est crypto-monnaie, ce sera le district des crypto-monnaies. Certainement que là-bas, on pourra aller juste échanger sur les marchés là-bas, les différentes crypto-monnaies, les projets qui seront là-bas. Parce que vous pourrez développer d'autres choses là-bas. Voilà, il y a le district de la défense. Voilà, je ne sais pas à quoi ça va servir. Peut-être que dans le jeu, il y aura des choses, des armes à payer pour pouvoir faire des choses dans le play to earn. Là, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a dans le district des technologies, peut-être il y aura des échanges de technologies là-bas. Voilà, donc tout ça, on n'a pas de détails dessus, mais voilà les différentes informations que nous avons reçues sur ces districts-là. Ok, donc le niveau 1, on aura, pour le niveau 1 dans les districts, pour les différents terrains, il y a des noms déjà qui ont été identifiés. On a dit le niveau 1 s'appellera dents de diamant. Dans le côté dents de diamant, pour ceux qui vont payer dans le côté dents de diamant, ils auront 2024 terres qui seront dans le niveau 1, qu'on appelle dents de diamant. Niveau 2 s'appelle pas de platine, on aura 5714 terres là-bas en vente. Gold Stale, le niveau 3, on aura 7356 terres. Le niveau 4, Silver Fur, on aura 1730, voilà, on aura 1730 terres qui seront vendues là-bas. Et le niveau privé, private locate, on aura 4307 terres qui seront vendues là-bas. Voici les détails qui nous ont été divulgués. Voilà, donc on vous donne l'information. Et on nous dit que 2022 va avoir beaucoup de surprises dans le Shiba. Et donc, cela n'est plus une surprise pour vous si on vous dit que le Shibarium va venir. Alors, il est prévu que le Shibarium arrive. Donc, certainement, ça sera en 2022. Et donc, ça serait développé sur la couche 2 d'Ethereum, comme je vous l'ai dit. Ce qui fera de sorte qu'il sera très rapide et il sera aussi moins cher. Voilà, comme la manière, vous voyez, Matic, les choses sont moins chères sur Matic parce qu'il est sur le layer 2 d'Ethereum, qui est la couche supérieure 2 d'Ethereum. Ce que Ethereum lui-même est en train de faire maintenant, parce que sa couche supérieure, sa couche 1 est saturée. Donc, il est en train de faire son, son 2.0 là, c'est pour aller faire des implémentations sur la couche supérieure de ce que Matic fait déjà. Alors le Shibarium étant déjà sur la native de la blockchain Ethereum, alors va créer lui-même sa propre blockchain qu'on appelle le Shibarium, qui sera implémenté sur la couche supérieure de d'Ethereum. Alors il y aura une deuxième information qui est le SHI. Voilà, ceux qui ne le savent pas, le Shiba va lancer son stablecoin qu'on appelle le SHI. Voilà, de la même manière, vous avez vu la blockchain Binance
Son stablecoin s'appelle le BUSD. Voilà, de sorte que si vous avez des pièces Binance que vous avez vendues, vous n'avez pas besoin que ça fluctue, vous pouvez les convertir directement dans le stablecoin qu'on appelle le BUSD. Alors, pour le Shiba, vous avez des Shiba que vous avez vendus. Voilà, donc pour stabiliser votre argent, pour ne pas que ça fluctue, vous le mettez en SHI. Au lieu d'aller le mettre en USDT ou en BUSD, Shiba dit l'argent là, ça reste chez nous ici. On n'envoie pas chez le voisin. Tout ce qu'on va faire là, ça reste dans notre communauté ici. Ça va faire agir sur le prix du Shiba. Tout ça là va travailler dans l'écosystème du Shiba pour faire monter le Shiba. Alors du coup, le SHI qui n'avait pas été compris par beaucoup de personnes en son temps, ceux qui n'ont pas lu le livre blanc, bon, ça c'est pas une nouvelle pour nous, parce que nous on a lu le livre blanc, c'est-à-dire tout le livre blanc, on a tout traduit, tout cherché à comprendre, même les détails subtils, on l'avait déjà relevé, ce chi là, on avait déjà dit ça, avant même qu'ils viennent en parler de façon plus explicite maintenant. Alors le chi, c'est une bonne chose pour l'écosystème du Shiba. Alors, on a dit aussi que les utilisateurs gagneront aussi des revenus passifs dans le métavers. Voilà, tous ceux qui vont travailler dans le métavers, qui vont interagir avec le métavers, vont recevoir des récompenses passives en tant qu'utilisateurs. Ils vont pouvoir créer des espaces à eux, gérer leurs propres projets là-bas. Tout ça, dans le métavers là-bas. Et donc, c'est intéressant. Les distributeurs seront aussi importants, selon les dits. Il dit les distributeurs seront importants. Les shiboshi seront vendus. Les shiboshi qui ont été vendus en 40 minutes, tous ceux qui ont eu des shiboshi, voilà, seront aussi privilégiés là-bas. Ceux aussi qui sont des détenteurs de listes seront des privilégiés là-bas aussi. Ok? Donc, on dit aussi que tous ceux qui vont interagir avec l'écosystème dans le métavers vont aider aussi à brûler du Shiba. Voilà, tout ce qui va se passer dans le métavers là-bas va contribuer à réduire l'offre en circulation. Quand on dit brûler le Shiba, c'est de réduire l'offre en circulation. Alors, quand tu vas payer par exemple un terrain, c'est un nom, un identifiant qu'ils vont mettre dessus. Mais après, toi, tu peux venir changer pour dire ça, c'est propriété privée LOS. Voilà, ça, c'est propriété privée LOS. Ça, c'est ce que moi, j'ai mis dedans. Est-ce que vous voyez, ça, c'est le nom que moi, je mets par exemple sur mon terrain. Propriété privée LOS. Voilà, dès que tu vois ça, tu sais que c'est LOS qui a payé ça là. Une structure peut venir payer un terrain pour dire propriété MTN, propriété Orange, propriété Wave, tout ça est fait publicité pour eux. Envoyez-moi de l'argent, par exemple, après faire votre publicité ici. 7000 personnes me regardent. Voilà. Donc, toutes ces entreprises vont rentrer aussi dans le métavers. Ce n'est pas vous seulement les utilisateurs. Eux aussi regardent l'actualité. Donc, eux aussi vont aller payer. C'est que toi qui penses que c'est cher, là, ils peuvent venir payer. Donc, c'est pourquoi quand ces genres de projets sont lancés, il faut être toujours aux aguets des informations. Si tu as la possibilité, alors positionne-toi. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, les terrains seront revendus. Ça va passer de main en main. C'est ce qu'on appelle les enchères. Alors, ça va augmenter. Voilà, vous avez vu les shiboshi. Il y a un shiboshi qui se vendait même à près de 30 000 $. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, c'est comme ça que ça va évoluer. Et ça ne va pas s'arrêter de grandir en prix. Voilà. On a vu les pink, les comment on appelle d'Ethereum sur OpenSea là-bas, certains NFT sur Ethereum sont passés jusqu'à plus de 6 millions de dollars. Est-ce que vous voyez, un seul NFT est passé jusqu'à 6 millions de dollars sur Ethereum. Alors donc du coup, ici c'est la même chose qui va se passer petit à petit, vous n'allez pas voir venir. Voilà. Donc si vous avez la possibilité de payer des terrains, alors ne vous gênez pas. Voilà. On dit les détenteurs de shiboshi auront 2000 parcelles réservées pour achat. Tous ceux qui ont des shiboshi auront 2000 parcelles réservées pour eux, pour qu'ils aillent payer. Voilà. 2000 sur 3593 seront sur une liste blanche réservée. Alors, c'est 2353 qui seront sur terrain, qui seront sur une liste blanche réservée. 2000 sont réservés pour les détenteurs de shiboshi. Et qui pourront aussi payer sans limite de portefeuille. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que, bon, toi, tu as droit à seulement 2 terrains, tu ne peux pas payer 10 terrains. On dit, si tu veux tout prendre la main, il faut tout prendre. On ne va pas limiter pour dire, toi, non. Dès que c'est lancé, il faut être prêt. Il faut être prêt. Donc, si tu es un détenteur de shiboshi, tu peux payer autant que tu veux. Maintenant, si eux, la date qui a été allouée à cette vente est passée tant, et puis ils n'ont pas pu payer tout, le reste sera mis à disposition de tous les détenteurs de Shiba. Le reste sera mis
pour que les gens puissent payer autant qu'ils veulent. Voilà. Encore une autre information. Voilà, on nous parle toujours, comment on appelle, des outils de verrouillage, c'est-à-dire ils vont créer sur le site officiel, ils vont créer, comment on appelle, une lucarne spéciale pour ceux qui veulent bloquer leur liche et qui veulent bloquer aussi les shiboshi. Selon sur le site officiel, ils pourront bloquer les shiboshi là-bas. C'est ce qui a été dit. Ceux qui veulent payer, parce que quand on dit de bloquer, c'est-à-dire que le site officiel qui est le shib.io, là, voilà, le shib.io, alors ils vont mettre là-bas dans les jours à venir, ils vont mettre là-bas un lien qui va vous permettre de bloquer vos différents shiboshi ou bien vos liches. Voilà. En fonction de tout ça aussi, il y a aussi des récompenses à venir. Je vais y arriver. Ok? Donc, on vous informe que si vous bloquez vos shiboshi là-bas, vous aurez aussi des récompenses. Si ça reste bloqué là-bas pendant un certain temps, vous aurez aussi des récompenses pendant le temps de blocage. Alors, une étape, il y a, donc dans l'étape, de l'étape 1 à l'étape 2, ça va prendre au moins 10 jours. Après les 10 jours, maintenant le grand public va pouvoir maintenant venir payer les différentes parcelles. Voilà. Donc, ceux qui vont venir faire le verrouillage, il y aura un minimum à verrouiller, c'est 0,2 liches. Voilà, 0,2 liches que les gens pourront verrouiller. Voilà. Et puis, ceux qui veulent aussi bloquer des shiboshi, ça serait au minimum un shiboshi que tu possèdes, que tu pourras bloquer là-bas. Maintenant, tu vas les bloquer pour un minimum de 45 jours. 45 jours. Maintenant, le maximum de blocage, c'est 90 jours. Voilà. Maintenant, le temps de blocage, il y a des récompenses. C'est comme si tu vas faire un staking sans le savoir. Voilà. Donc, une fois que tu as bloqué tes shiboshi là-bas, on est en train de t'informer aussi que tu gagneras 3%, ou bien si tu as bloqué tes liches, tu gagneras 3%. On dit 3% distribué à tous les détenteurs de liches qui auront verrouillé leurs liches dans ce, le temps des ventes. Voilà, donc, toutes les ventes qui vont être faites, si tes liches ont été déjà bloquées, donc, toutes les ventes qui vont s'opérer dans la période là, tu vas recevoir 3% de toutes les ventes. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Si tu as des shiboshi que tu as bloqués, alors durant le temps de blocage, les ventes qui vont se faire là, tu vas recevoir 3% de toutes les ventes qui vont se faire. Voilà ce qu'on est en train de dire. Et on précise encore, les récompenses que tu vas recevoir pendant ce temps-là seront versées sous forme de bon. Tout ça, ça demande quoi? Le Shiba a lancé au départ le Lich, qui était venu comme le tueur de Dogecoin. Mais en un temps record, lui, déjà, en son prix, déjà, il avait déjà tué le Dogecoin. Mais après, le Shiba est sorti. Quand le Shiba est sorti, ensuite, il est venu et lui, il a démontré que même déjà, en termes de notoriété, il a dépassé le Dogecoin. En termes de fondamentaux qu'on met autour d'une pièce, un écosystème très clair et très net, avec le Shibarium qui va venir, sans oublier le Shiba Swap qui est venu, qui a mobilisé 1,5 milliard de dollars en 24 heures. Les Shiboshi qui ont été lancés, qui ont été vendus en 40 minutes. Donc, vous voyez un peu tout ce qui a été mis en place, tout ce qui est en train de venir maintenant. Tout ça, ça a démontré que Shiba a damé le pied au Dogecoin. Voilà. Maintenant, on nous dit ici que tout ça, pour les détenteurs de liches, voilà ce qu'ils vont faire, le verrouillage et tout. On vient vous payer maintenant en bon. En venant vous payer en bon, qui sera la pièce de gouvernance du Shibarium, c'est-à-dire la blockchain. La pièce de gouvernance de la blockchain, ça sera le bon. Donc, ça veut dire que Shiba, là, dans tout son écosystème, le Shiba au milieu, le bon de côté, et le liche de l'autre côté, alors c'est un cercle complet qui est là, et donc le Shiba au milieu, et donc c'est un écosystème qui pivote, où toutes les pièces ont leur efficacité et leur rôle. Ici, on vous paye ici en récompense, en bon. On dit que le bon aussi a une utilité aussi. Ah, ça, vous voyez. Tout ça, en travaillant ensemble, toutes ces pièces en travaillant ensemble, vont contribuer non seulement à brûler le Shiba, mais à rendre le Shiba comme une pièce vraiment de valeur. Voilà. C'est que beaucoup de pièces, même qui sont là il y a plus de 10 ans, n'ont pas pu réfléchir, trouver tous ces gens de mouvements pour mettre autour de leurs pièces. Voilà. On nous dit aussi que le métavers va accueillir le studio triple A. Voilà. Le studio triple A game
va être accueilli dans le métavers. Alors, eux vont s'occuper simplement du développement artistique. Là. Tout ce qui sera beau à voir là-bas, ça sera le studio AAA qui va faire ceci, ce travail là-bas. Chacun a son rôle. Même dans le travail là, tout est, comment on appelle, segmenté. Voilà. Et ensuite, eux qui vont se charger de l'implémentation du jeu aussi dans la blockchain. Voilà, dans le Shibarium. Alors, donc tout ça pour dire que il y aura le jeu qui sera lancé, peut-être en application, mais en même temps aussi, il sera disponible sur la blockchain. C'est-à-dire, à partir de votre Play Store, peut-être vous allez pouvoir télécharger le jeu pour jouer. Mais ceux qui veulent aussi, vont aller directement dans la blockchain et puis interagir avec le jeu. C'est tout ça qu'on est en train de vous dire. Voilà. Et tout ça va contribuer à réduire l'offre parce qu'il y aura un système de bruit intégré au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire. Voilà. Donc, je pense que nous avons fait le tour des informations concernant tout l'écosystème. Il y a plus d'informations, en tout cas d'autres détails sont dedans, mais vous pouvez aller sur le blog pour pouvoir avoir plus d'informations là-bas si vous avez le courage d'aller traduire et de lire tous les petits détails. Mais en tout cas, les choses les plus importantes, c'est cela que je viens de relever ici pour donner la possibilité aux gens déjà de se préparer, pour ceux qui veulent le faire déjà, d'aller d'abord sur le site et puis prendre plus d'informations là-bas. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur le Shiba et son métavers, qui est une chose merveilleuse pour l'écosystème Shiba. Et n'oubliez pas, il y aura deux jeux. Voilà, il y aura deux jeux dans ce métavers. On aura le jeu, de collection des cartes. Aussi, il y aura d'autres jeux qu'on n'a pas encore d'autres détails sur ces jeux. Mais on sait qu'il y aura au moins deux jeux que le Shiba va lancer. Ce n'est pas un seul jeu. Dans ces deux jeux-là, voilà, on permet aux utilisateurs d'interagir avec le métavers de Shibes. Alors, c'est vraiment intéressant pour montrer déjà que le Shiba a beaucoup encore à donner. Et au fur et à mesure que tout ça est en train de se faire, l'écosystème est en train de grandir. Alors, tout ça agit sur le prix du Shiba qui va continuer à s'améliorer jusqu'à dépasser les 0,01$ que les gens voient comme étant un truc inatteignable. Alors tout ça sera atteint avec une facilité incroyable. Alors une crypto-monnaie qui a fait plus de 60 millions de %. Voilà, sans tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Alors avec tout ça aujourd'hui, vous imaginez tout l'impact qui va se passer dans le Shibes. Alors tout ça va avoir un effet boomerang sur la pièce et qui va pousser la pièce à atteindre des sommets inimaginables et surtout en un temps record. Vous voyez tout ça dans 5 ans, peut-être pour atteindre certains objectifs. Cela va se faire en un temps tellement record que vous serez étonné de vous dire, mais autant, pourquoi je n'ai pas pu payer plus de Shiba? Alors ne viens pas avec la petite cuillère pour prendre. Autant de fois que tu peux prendre, tant qu'il y a les 4-0 là, c'est encore une opportunité parce que l'objectif c'est d'atteindre le top 3. Je vous le dis toujours. Qui parle de top 3 parle d'une capitalisation boursière qui dépasse les 100 milliards de dollars. Alors, on est en train de traîner dans les 10 milliards, 12, 15 milliards. On est en train de te dire, on parle d'une capitalisation boursière qui dépasse les 100 milliards de dollars. Alors, ce qui est là-bas, c'est Binance et, USDT qui lutte cette partie-là. Alors, si eux, ils ont bousculé ceux-là, le Shiba sera à combien en ce moment? Donc, calculez. C'est comme si tu as une capitalisation boursière actuelle de 12 milliards de dollars et que maintenant, tu te projettes pour aller prendre une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars. Tu as multiplié par combien pour arriver là-bas? En termes de capitalisation, il a multiplié par combien? Pour arriver de 12 milliards à 100 milliards, il a multiplié par combien? Il faut calculer. Donc, tout ça sera l'impact sur le coût de la monnaie. Alors, quelqu'un qui dit, il est assis ici, il dit, toi là, il faut faire attention, sinon je vais te frapper. Mais tu le regardes, mais lui, il est petit, mais il compte. Il dit, il va te faire. Oh, toi, quand tu es là, la personne est grande. Mais lui, là, il compte sur quoi? Et puis, il parle ça. C'est comme ça, le Shiba, il est. Il est en bas, là-bas. Mais le bruit qu'il fait, là. Ceux qui sont en haut, il ne faut pas se bruit, là. On dit, mais qui est en bas, là-bas? Il est en train de faire bruit, là-bas. C'est quelle pièce qui est en bas? On dit, ah, il s'appelle Shiba. La pièce dit, il s'appelle Shiba. Que lui, il est venu, là. C'est pour aller prendre top 3. On dit, mais il compte sur quoi pour dire ça? Il dit, celui-là, il faut faire attention à lui. On l'a négligé, il était dans les 300e pièce là-bas. Et puis, un matin, on n'a rien compris. Il s'est retrouvé en 30e position.
On n'a rien compris. Il est venu bousculer des gens et puis s'est positionné. On est maintenant quitté. Il dit, moi, il m'appelle Shiba. Il est un tueur de Dogecoin. Il dit, encore. Il dit, oui. Et puis, il n'est pas encore fini. Au moment où les gens ne s'en rendent pas compte, il est allé se positionner dans le top 10 là-bas. Est-ce que vous voyez déjà? Voilà ce que le Shiba est capable de faire. Il a un moment même dépassé en termes de capitalisation boursière le Dogecoin. Il a dépassé, on a fait une vidéo ici. Alors, quand il dit ça aux autres pièces, les autres pièces disent, de toute façon, lui là, il a quitté sa position initiale pour se retrouver parmi les 15 premières, les 20 premières crypto-monnaies aujourd'hui. S'il dit qu'il va aller au top 3, alors donner du crédit par rapport à tout l'écosystème qu'il a mis autour de lui, alors on ne peut pas jouer avec ce qu'il est en train de dire. Donc, empêchons-le tant qu'on peut, empêchons-le d'atteindre son objectif. Voilà pourquoi, vous voyez, il y a certains détracteurs qui parlent mal du Shiba, quoi, et les coins market cap qui lui causent des problèmes de trucs, comme on appelle, de listing, de comment on appelle, des faux contrats qui sortent quelque part, ou soit, du coup, on voit, comment on appelle, le nombre de pièces qui doit être déclaré, on a l'impression qu'il y a un surplus qui est sur le nombre de pièces, tout ça pour retarder son ascension. Mais, quand on dit CoinMarketCap, qui est derrière CoinMarketCap? C'est Binance qui est calé là-bas. Alors, qui gère l'écosystème blockchain BP20? C'est pas Binance. Alors, pourquoi Binance va laisser les Shiba arriver là-bas vite? Quand il va arriver, c'est pour venir bousculer. C'est lui qui est venu le bousculer, puis bousculer USDT. Donc, on n'a qu'à le retarder autant qu'on peut. Maintenant, Shitoshi Kusama dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donnez-nous seulement la quantité que vous estimez qui est le bon. Une fois que vous nous donnez cela, nous, on va venir, puis on va évoluer avec la quantité que vous avez augmentée. On va évoluer, puis on va venir bousculer Binance pour l'enlever dans la troisième position. Voilà ce qu'il dit. Donc, c'est sur quoi il compte et puis il parle comme ça. Hein? Lui qui vient d'arriver. Mais avec 60 millions de pourcents que quelqu'un a fait en un an, tu ne peux plus le négliger. 11-0, il a brûlé 6-0 dans la même année. Et la plupart des gens, même des gens influents comme nous, même des gens qui sont dans la crypto-monnaie depuis 2017, eux-là, ils n'ont pas eu l'information. Nous, on n'a pas eu l'information. Depuis 2017, on est dedans ici. On n'a pas eu l'information que le Shiba est né. C'est au moment où il a commencé à frapper maintenant que nous, on a eu l'information. Sinon, on allait faire partie des baleines. Ça, c'est clair. Donc, comprenez là que le train est en marche. Et alors, ce que nous voyons, les 4 euros aujourd'hui, ça serait de l'histoire ancienne. Capturer, faites de ça même des NFT. Dans 5 ans, on ne parlera plus de ces 4 euros. Quand tu vas présenter à quelqu'un, on va te réagir. Donc, tu as connu le Shiba à cette période. Donc, tu as combien de Shiba aujourd'hui? C'est là que tu as fait aussi le point. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur l'actualité du Shiba. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, qui veulent se former, alors les différents numéros WhatsApp sont dans la description, mais mon numéro WhatsApp est dans la description. Vous pouvez m'écrire là-bas pour vos différentes formations, que ce soit la sécurisation, la formation même sur l'écosystème des crypto-monnaies et tout ce qu'on peut avoir comme opportunité derrière, alors écrivez-moi pour prendre vos différents modules de formation. Pour la formation physique de groupe, pour la troisième édition au niveau d'Abidjan, alors vous devez rentrer en contact avec le grand leader Bill, que je salue au passage, et le leader Elisabeth, le leader Georgette, pour vos différentes inscriptions, ça aura lieu à la Bourse du Travail comme d'habitude. Voilà, donc vous rentrez en contact avec eux pour vos différentes inscriptions. La formation, la troisième édition au niveau du Burkina, c'est avec le grand leader Dieudonné que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions. Et c'est prévu pour ce mois d'avril aussi. Tout ce qu'il faut est le nombre de personnes donc, qui a entendu est ok, on pourra le faire, sinon ça sera reporté à une date ultérieure. Voilà, pour la formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le leader Abraham que vous allez interagir pour le Togo pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader Postin que vous allez interagir pour prendre vos différentes positions d'inscription afin que nous soyons là-bas pour interagir avec nos frères de là-bas. Pour la formation au niveau du Grand Nord, c'est toujours avec le grand leader DJ que vous allez interagir. Dans le Grand Ouest, nous avons le grand leader Niawa qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans la zone. Pour la formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mama que nous allons interagir afin d'être au Sénégal, aller faire aussi des découvertes aussi touristiques
telles que l'île de Gorée et tout ça que nous allons partir visiter lors de cette visite de formation au niveau du Sénégal. Voilà, donc tous ceux qui sont sénégalais, alors écrivez au niveau de, comment on appelle, ou appelez directement le leader Mama pour faire vos différentes inscriptions. Pour la formation au niveau de Taoukro, c'est toujours avec le grand leader Yaya que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Au niveau de la Bengourou, nous avons le grand leader Yapi qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans la zone. Et toujours au niveau de la côte vers la Côtière, alors nous avons le grand leader Tevi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Voilà, nous avons fait le tour de tout le monde, tous ceux qui sont les comment on appelle, représentants dans les différentes zones. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits adaptés et aux esprits entreprenants. Et lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez les saisir avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.